Coucou Miffy, où est-ce que tu vas? Bonjour Grunty, je vais à la bibliothèque. Oh, je peux venir? J'ai faim. Grunty, on ne peut pas manger à la bibliothèque. Non, mais je peux trouver un livre de recettes de gâteaux. Miam miam. Viens alors. Bonjour Tante Alice. Oh. Qu'est-ce que tu fais dans la bibliothèque? Bonjour ma chérie, je donne un petit coup de main. Je suis bibliothécaire. Oh, je viens rendre mon livre. Merci. Ah, bonjour les filles. Bonjour Boris. Je vais emprunter ces livres, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Je peux être une bibliothécaire moi aussi? Et moi aussi. Bien sûr. C'est très gentil les filles. C'est à moi. C'est ce qui s'appelle tamponner. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Boris. Oh, est-ce qu'un de ces livres parle de gâteaux? Oh non, Grunty. Oh. Mais je peux t'en trouver un. Oui. Que cherches-tu, Miffy? Un livre sur le tennis, s'il te plaît. Eh bien, je dois ranger ces livres dans la section enfants. Venez, on en profitera pour trouver vos livres. Oh oui! Bonjour Alice, bonjour les filles. Bonjour mademoiselle. Bonjour mademoiselle. Attendez un peu les filles, je dois tamponner les livres de votre institutrice. Oh, on pourrait ranger ces livres pour toi, tante Alice. Oh, ça m'aiderait vraiment beaucoup. D'accord. Oh, mais où se rangent-ils? C'est très facile. La couverture vous indique où les ranger. Eh bien, vous en avez des livres. Ah oui. Je ne trouve jamais le temps de lire, moi. Très bien. Tante Alice a dit que les couvertures nous indiquent où les ranger. Celui-là parle de regarder les étoiles. Ça veut dire qu'il se range tout en haut, comme les étoiles. Ici. Attends un peu. Voilà. On passe au suivant. Celui-là parle des fleurs. Regarde. Oh. Le livre sur les fleurs doit se ranger à côté de cette fleur. Oui. Ou à côté de celle-là. Je sais. Voilà. Maintenant, il est à côté des deux fleurs. C'est forcément ça. Grunty, quel est le prochain livre? Ça parle de natation. Mais il n'y a pas de piscine dans la bibliothèque. Non, mais il y a bien de l'eau. Grunty, attends! On ne peut pas mettre un livre dans l'aquarium. Mais Tante Alice a dit que la couverture nous dirait où le mettre. C'est vrai. Et la couverture parle de nager dans l'eau. Oh non, Grunty, attends! Ne mets pas un livre là-dedans. Mais tu nous as dit que la couverture nous dirait où les ranger. Le livre parle de nager, donc on peut le mettre dans l'eau. Oh non, je suis désolée les filles, j'aurais dû mieux vous expliquer. Je parlais de la couleur de la couverture, pas de son dessin. Oh. Vous voyez, les livres de la même couleur parlent du même genre de sujet. Ils se rangent donc sur le même rayon. Donc, ce livre rouge se range avec les autres livres rouges. C'est ça. Les livres rouges parlent de sport. D'accord. Nous allons ranger tous les livres à leur place, alors. Oh! Vous en avez oublié un! Attendez-moi! On est Tante Alice à tout ranger. Tous les livres seront bien classés. Ceux-là sont verts. Ceux-là sont rouges. On laisse l'aquarium pour les poissons rouges. On est Tante Alice à tout ranger. Tous les livres seront bien classés. Tout est à sa place maintenant. Merci les filles. Oh, Tante Alice! Maintenant, je sais où trouver mon livre sur le tennis.
est sur l'étagère rouge, avec les livres sur le sport. Et le livre de recettes de Grunty est juste ici, avec les autres livres sur les loisirs. Bravo! Emmenons-les au bureau et je vous les tamponnerai. Je ne sais pas où se range ce livre. La couverture est blanche, mais aucun autre livre n'est de cette couleur. Oh, ça ne se range pas dans un de ces rayons, Grunty. En fait, ce n'est même pas un livre. Non? Qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose que je gardais pour la fin de mon travail. Et grâce à vous, j'ai déjà tout fini. Regardez. C'est une boîte de chocolat. Youpi! Serre-toi. Ouh, miam. Merci, Tante Alice. C'est drôle d'être des... Bibi... Ok, terre... Des bibliothécaires. Oui, c'est ça. Bonjour, Miffy. Chut, je joue à cache-cache avec Mélanie et Grunty. Oups, désolé. Prête ou pas, j'arrive. Oh, Grunty, tu es censé te cacher quand on joue à cache-cache. Je voulais me cacher derrière ce buisson, mais Miffy est arrivée avant moi. Ah ah, je t'ai trouvé, Miffy. Oh, Grunty. Tu ne dois pas lui dire où je me cache. Bon, c'est à ton tour de chercher, Miffy. Moi, je vais me cacher derrière ce buisson. Oh, tu ne dois pas dire à tout le monde où tu te caches. Le jeu serait bien trop facile. D'accord. Je me cache ailleurs. Un, deux, trois, quatre, cinq. Prête ou pas? J'arrive. Je t'ai trouvé, Grunty. Oh, je suis nulle à cache-cache. Je te laisse encore une chance, mais ne me dis pas où tu te caches cette fois. Merci, Miffy. Je vais trouver la meilleure cachette du monde entier. Un. Elle ne nous trouvera jamais, tu verras. Deux. Ce buisson est parfait. Trois. Oh, non, celui-là. Quatre. Celui-là. Cinq. Prête ou pas, j'arrive. Oh, Grunty, je vais lui laisser plus de temps. Je viens te chercher, Mélanie. Mélanie, où peut-elle être? Derrière un buisson ou sur un grand être? Celui-là. Non. Oh, te voilà, Grunty. Tu devais venir au magasin de Barbara avec moi. Désolée, j'ai oublié. Va prévenir tes amis que tu ne peux plus jouer. Allez, viens. Je dois partir avec Tante Poppy. Au revoir. Je t'ai trouvé, Mélanie. Allons chercher Grunty. Je me demande où elle peut bien se cacher. Pas ici. Grunty, où peut-elle être? Derrière un buisson ou sur un grand être? Oh! On t'a eu! Oh! Elle n'est pas là, mais elle était ici. Regarde! Alors, où est-ce qu'elle peut bien être? On a regardé derrière tous les arbres et tous les buissons. Eh bien, Grunty m'a prévenu qu'elle allait trouver la meilleure cachette du monde entier. On abandonne, Grunty. Tu peux sortir. C'est bon. J'ai une idée. Fais tout comme moi. Oh, merci beaucoup, Tante Alice. Ce jus de fruits que tu nous as apporté a l'air tellement bon, ça. C'est délicieux. Tu n'es pas d'accord, Mélanie? Ah. Oh, oui, c'est vraiment délicieux. J'espère qu'il en restera assez pour Grunty. Elle ne pourra pas résister à un jus de fruits. Par ici. On t'a trouvé, Grunty.
Snuffy. Ah, peut-être que Snuffy sait où se cache Grunty. Oh oui. Vas-y Snuffy, cherche. Ha. Oh. Oh non, Snuffy nous a amené ici pour qu'on lui attrape ce frisbee. Snuffy a du flair quand il s'agit de trouver des jouets. Oh, ça me donne une idée. Ici, Snuffy. Trouve Grunty. Allez, par ici. Elle n'a pas pu aller aussi loin. On peut faire confiance à Snuffy. Bien. Oh non, Snuffy nous a emmenés au magasin de Barbara. Elle veut sûrement qu'on lui achète une friandise. Grunty ne serait pas venue se cacher aussi loin. Où est-ce qu'elle peut bien être? Grunty, tu n'as pas le droit de venir te cacher aussi loin. Quoi? Mais je ne joue plus. Je suis venue aider Poppy pour les courses. Je vous ai dit que je partais. On ne t'a pas entendu. Oh. Oh. C'est pour ça qu'on ne te trouvait pas. On t'a vraiment cherché partout. Est-ce qu'on peut dire que je suis la championne du cache-cache alors? C'est Snuffy qui gagne. Elle t'a retrouvée alors que tu te cachais aussi loin. Et je sais ce qu'elle veut comme récompense. Le frisbee. Tiens, Snuffy. Je suis rentrée. Je suis dans la cuisine, Miffy. Viens, on a de la visite. Oh oui, c'est intéressant. Mais c'est Tonton Pilote. Bonjour, Tonton Pilote. Bonjour, Miffy. Je suis passé prendre une tasse de thé. C'est joli, ça. Qu'est-ce que c'est? C'est l'une des cartes de Tonton Pilote. Ooh. Il était en train de me la montrer. C'est grâce à des cartes comme celle-ci que je trouve mon chemin quand je pilote mon avion. Tonton Pilote a une carte de chaque endroit où il est allé. Waouh! J'aimerais bien avoir une carte des endroits où je suis allée. Eh bien, tu peux la faire toi-même. Je peux, maman? Quelle bonne idée! J'ai un bloc de papier par là. Viens, Miffy. Montre-la moi quand ce sera fini. J'ai hâte de voir ça. Et voilà. Merci, maman. Celui-là. Voilà. C'est excellent, Miffy. Merci. Tu sais, Miffy, parfois ce genre de carte peut être une carte au trésor. Une carte au trésor? Oui, j'ai caché un trésor d'une grande valeur et tu vas pouvoir utiliser ta carte pour le trouver. Waouh! Tu permets? Et voilà. Si tu suis cette piste, tu découvriras mon trésor. Oh. Bonne chasse au trésor, Miffy. Il y a un problème, Miffy. Tonton Pilote a dit que je pouvais utiliser ma carte pour suivre ses indications et trouver le trésor. Mais je ne sais pas ce qu'il veut dire par là. Où penses-tu que Tonton Pilote commencerait sa piste? Eh bien, il était dans ma maison quand il a dit ça. Ce cercle rouge est juste à côté de ma maison.
Mais oui, je sais! Le cercle rouge sur ma carte doit représenter ce ballon rouge. La piste de Tonton Pilote est faite avec des ballons. Qu'est-ce que tu cherches maintenant, Miffy? Le ballon suivant. Mais je ne le vois nulle part. Eh bien, il y avait un cercle rouge sur ta carte. Oh, mais oui! Le cercle jaune est le plus proche d'ici. C'est au terrain de jeu. Par là! Bon. Le voilà, le ballon jaune. Oh non! Heureusement que tu dois suivre la carte. Tu ne reverras pas ce ballon de sitôt. C'est vrai, je ne sais pas voler, moi. Le dernier ballon est près de la ferme. Oh, c'est juste à côté. Rien par ici. Ici non plus. Excusez-moi, Madame la Vache. Avez-vous vu un ballon bleu? Je prends ça pour un non. Qu'est-ce qu'il y a, Miffy? Je ne trouve pas le dernier ballon. Je pense que j'ai dû me tromper. Oh, mais tu t'en sortais si bien. Tu devrais peut-être vérifier la carte. Oh, le cercle bleu n'est pas juste à côté de la ferme. Il est un peu après. Alors, peut-être que le ballon bleu est juste après la ferme lui aussi. Heureusement que j'ai ma carte au trésor. Le voilà! Le dernier ballon. Bravo, Miffy. Tu as suivi ma piste et tu as trouvé mon trésor. Où est-il? C'est quoi ton trésor? Mon avion, évidemment. C'est ce que j'ai de plus précieux au monde. Tu voudrais faire un tour avec moi là-haut? Oh oui, s'il te plaît. Accroche-toi. C'est parti. Ressemble à une carte vue d'ici. Coucou, maman! Oh! Fais attention là-haut, Miffy. Youpi! Coucou, Gracie! Coucou, Mélanie! Tu es super haut, Miffy! C'est génial! Ouvre l'œil, Miffy! Qui sait? On pourrait bien trouver un trésor!